Alors bonjour. Alors si, alors vous inquiétez pas, si on est habillé comme ça, c'est pour aussi démontrer que, ben, en hiver, quand il fait nuit, quand c'est sombre, il y a, si vous voulez, il y a très souvent des accidents parce qu'on ne voit pas forcément les piétons, les cyclistes, même les gens à trottinette. Donc on va vous démontrer, en se mettant quasiment dans le noir, qu'en fait, on voit mieux avec nos gilets jaunes et vestes jaunes qu'avec des vêtements sombres, noirs ou bleus. Voilà. Donc, je vais éteindre la lumière. Et on va faire un test. Alors, là, bon, je trouve encore, on se voit beaucoup. On va carrément, voilà, on va se mettre carrément, voilà, dans le noir le plus total. Ouais, c'est peut-être un peu trop, là. Du coup, je vois même plus où je suis. Ah, Aïe. voilà. J'avais dû réfléchir à ça. Alors, ça. Hop, voilà. Alors, normalement, vous apercevez plus ou moins, ouais, on voit plus ou moins Pierre-Alexandre qui est devant. Voilà, vous apercevez quelque chose de jaune. Bon, je vais ouvrir encore un peu, légèrement. Quelque chose de jaune. Hop. Voilà, là c'est mieux. Alors. Et vous allez voir, bon, par exemple, on va. Voilà, voilà, je balade un peu, voilà, chez moi. Voilà, et maintenant, enlève ta veste. Enlève ta veste. Si tu arrives, tu veux que je t'aide? Non. Enlève-la, voilà. Enlève-la, même si tu défais les manches à l'envers ou quoi, ça, je m'en fous. J'y ferai après. Voilà. Alors, enlève-la carrément, Ouais. voilà. Donc, voilà. Là, on voit déjà beaucoup moins Pierre-Alexandre. Bon, ensuite, je vais me mettre à côté de lui. Alors, bon, voilà. Alors, je suis à côté. Alors, on va peut-être. C'est comme ça. Est-ce que tu peux te reculer? Ah, tu te recules à fond. Encore. Je vais mettre à côté. Encore. Après ta placard. Ah. Encore un tout petit peu. Stop, voilà. Donc là, voilà. Normalement, on devrait me voir. Bon, voilà. Et si j'enlève, hop, je l'enlève. Bah, normalement, mets-toi debout maintenant. Alors attention, hein. On va se mélanger. Va à gauche. À gauche. À ma gauche. Va à gauche. Déplace-toi à gauche. Non. Encore. Voilà. Comme ça. Voilà. Je me mets là. Voilà. Alors, mets-toi à droite. Là. Vas-y encore. Là. Mets-toi de ce côté-là, vers la télé. Avance vers la télé. Là. Non, non, avance vers la télé. Comme ça. Ouais, vers la télé. Voilà, Et. alors, t'es vers la télé. Alors, maintenant, on s'est mélangé. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire où est Pierre-Alexandre? Ah, voilà. Donc en fait, voilà, ce que j'essaie de montrer, c'est que dans le noir, on voit beaucoup moins. Donc, puis vous avez des habits qui sont adéquats, qui sont adaptés pour être vus. Bah, en fait, voilà. Donc il n'est pas devant la télé. En effet, je vous ai trompé. Il est vers le placard. Donc voilà, les habits jaunes sont mieux pour. Voilà, quand il est là, voilà. Donc en fait, voilà. Il faut porter des habits adaptés pour être vu par les automobilistes, les gens en voiture. Même moi qui ai une voiture, je veux dire, même s'il y a des lumières, une lumière sur la route qui est éclairée, bah, je fais gaffe, même avec les phares. Donc voilà. Donc, petit rappel pour les piétons, mettez un gilet jaune ou une frontale aussi pour être vu parce que
On vous voit pas hein, dans le noir quasi total. Hein. Donc portez des vêtements plutôt colorés. Comme par exemple, moi je pense que je vais mettre un pull pour être vu parce que j'ai un petit peu peur voilà, de ne pas être vu. J'enfile un pull. Mettre un pull. Et comme ça, on pourra passer au sujet qui correspond. Voilà. Hop. Ouais, du coup, hein, c'est adéquat. Ouais, je sais pas si tu as vu le pull, c'est quoi? Cette bulle de Noël. Ouais, donc on va parler maintenant du marché de Noël ou de la fête de Noël. Voilà. Ah oui. Donc on va voilà, passer au sujet. Donc j'ai coupé la vidéo là, comme ça, et puis je vais me remettre d'aplomb. Enfin, du coup, on peut. Alors, on va comment. Je fais une pause. Alors, on prend un café et puis après, on fera le sujet de Noël. Mais Du coup, ouais.